peut-être. C'est là son véritable pouvoir, Armageddon. Oui, vous pouvez y aller. Ouais, super, Aéa. Qu'est-ce qui a pu se passer? Le dernier anneau est une poule mouillée. Non, c'est moi. Passons aux choses sérieuses, Armageddon. Prends-la. À vos ordres, maître. Normal, vous avez un souci avec le congélateur? Non, non, je crois pas. Et en plus, le thermostat est au maximum. Eh, hey, vous avez vu ça? Oh, c'est dingue, l'air chaud que dégage cette machine. Je commence à comprendre pourquoi il fait cette chaleur ici. Vous devriez peut-être éteindre les radiateurs. Bah, c'est ça le problème, ce radiateur est une machine à air conditionné. Vite, vous avez vu les nouvelles à la télé? Toute l'eau du lac du parc s'est évaporée en un instant. Ils cherchent des explications, mais ils n'ont rien trouvé. Mais quelle chaleur! Qu'est-ce qui se passe, Razel? C'est une véritable canicule ici. Vous avez pas idée, je vous le donne en mille. Un problème dans le gorme. Exactement, c'est ça, et c'est à cause de la perle écarlate. La perle écarlate? Chauffer tous les océans du Gorme avec toutes les conséquences qu'on imagine sur la Terre. C'est dingue. Pour l'instant, le phénomène se limite au mer du Sud, mais la chaleur est telle qu'elles ont commencé à bouillir. Oh, ça va anéantir définitivement la nation de l'océan. Alors il faut qu'on aille les aider et sans perdre de temps. Force des éléments. Terre, océan, forêt, air. Réveillez-vous de cet instant et confiez-lui le pouvoir. Et aujourd'hui, le maître est... C'est à moi d'aller les aider, c'est mon devoir. Sauf que s'ils sont en danger, toi, tu l'es également. Tes pouvoirs sont liés à l'eau. Et si l'eau s'évapore immédiatement, tu es en danger. Pour une fois, t'as raison. Bon, d'accord, alors. Ça, tu l'as dit. Tout le monde en place? On est là. Sphère élémentaire en action. Gormiti, seigneur de la nature. Sur des braises. Jessica, tu peux me porter? Merci. Toby, t'as dû te tromper quelque part. On n'est pas dans les territoires de l'océan. Hein? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? T'as dû nous envoyer par erreur dans les territoires de la lave. Non, c'est pas possible, y a pas le moindre doute. Je vous ai envoyé dans les territoires de l'océan à proximité de la côte. Approche-toi, Lucas. Si c'est ça l'océan, il est complètement à sec. Wouah, alors là, je... Oh, rien. Le niveau des eaux a dû diminuer et a fait avancer la côte. Je vais vous rapprocher. Hein, Toby? Hey, qu'est-ce qui se passe? Razel! Oh, Razel, j'ai perdu le contact. Excuse-moi, mais avec cette chaleur, je n'arrive même plus à me lever. Oh, je suis fatigué. Je sais pas, mais moi, j'ai un très mauvais pressentiment. Hey, regardez ça. D'où vient cette fumée? Faut qu'on éteigne cet incendie. Et comment tu vas t'y prendre? Excellente question. Venez voir, il y a encore une rivière là-bas. Allons-y. De l'eau. De l'eau bouillante, tu veux dire? Ça ira. Marteau de la pierre. We'll be right back.
Ouch! Après avoir semé le chaos dans les mers du sud. Quoi? Je vais vous pulvériser. Eh, on se calme. Tu te trompes d'adversaire, Hypnopotamo. Ce sont les seigneurs de la nature. Ah oui? Nous sommes heureux de te voir, Stella. Veuillez nous excuser, seigneurs de la nature. Je vous présente mes respects au nom de mon peuple. Merci de votre accueil, mais le seigneur de l'air... Elle a besoin de soins. Ça suffit! Nous devons quitter cet endroit au plus vite. Il n'y a pas un instant à perdre. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Hypnopotamo a un don très spécial. Il sent quand le danger approche. Nous devons rejoindre les eaux froides du Nord, où notre peuple finira par disparaître. Et nous devons partir sans tarder. D'accord, mais le seigneur de l'air est blessé. Écoutez-moi, nous sommes les seigneurs de la nature, et nous pourrons vous protéger. Mais pour ça, nous avons besoin de vos pouvoirs de guérison pour le seigneur de l'air. Nous vous aiderions volontiers, mais pour faire appel à ses pouvoirs, la mer doit se calmer. Et comme vous le voyez, ce n'est pas le cas. Nous devons partir bientôt. Nous allons vous aider, vous avez notre parole. Nous la protégerons, mais souvenez-vous que nous allons devoir nager vers les eaux froides du Nord. Merci, on vous a bien entendu. Toby, il faut que tu nous conduises au Temple de la Lumière. Je m'en occupe, vous faites pas de soucis. Attention! Allez, c'est parti! Accrochez-vous! Salutations, seigneur de la nature. Luminos le suprême, le seigneur de l'air est dans un état grave, et la température s'élève aussi bien sur Terre que dans le Gorme. Cela ne m'a pas échappé. La perle écarlate avait été scellée il y a des siècles, dans les profondeurs des mers du Sud. Mais il y a peu, Obscurio a réussi à s'en emparer. Pourquoi la température s'est-elle mise à grimper? Obscurio l'a extraite de sa cage, pour utiliser sa puissance et acquérir ses pouvoirs. La perle se nourrit d'énergie, et sa faim n'a cessé de grandir depuis sa libération, jusqu'à devenir sans limite. Le seul moyen de refroidir les mers du Sud, et par conséquent les océans de votre terre, est de replacer la perle dans sa coquille protectrice. Mais il faudrait du temps pour pouvoir la retrouver. Le temps, mon ami, sera la clé de tout. Et pour Jessica, qu'est-ce qu'on fait? Ce sortilège de guérison la soignera aussitôt que vous l'utiliserez. Faites-le sans tarder et soyez confiants.
Cela risque toutefois d'altérer sa perception du temps. Comment ça, altérer? Qu'est-ce que ça veut dire? Souvenez-vous, le temps sera la clé de tout. Recevez le pouvoir de lumière! Maintenant! Non! On ne peut pas l'abandonner, c'est le Seigneur! De l'air, en effet! Elle n'appartient donc pas à notre peuple! Elle nous encombrerait! Et c'est avant tout à notre survie que nous devons songer! Allons-y! Il est temps! Je suis là! Hein? Tiens bon, Jessica, on est là! Ça va aller! Toby, on est de retour! Toby! Toby! Mais Toby, tu m'entends ou quoi? Oh, il fait tellement, tellement chaud! On a perdu le contact avec Toby. C'est absolument incroyable. Jessica, tu es revenue? Oui, et je me sens beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on attend, juste? Nous perdons du temps, Stella. Allons-y! Nous avons perdu le contact avec la cave originelle. Nous avons besoin de vous pour nous guider. Il faut qu'on retrouve la perle écarlate, attendez! Je suis désolé, mais nous devons y aller. Abyss! Si nous voulons survivre, nous devons rejoindre au plus vite les mers du Nord. Attendez! Cette vague de chaleur finira par recouvrir le corme. Fuir ne sert à rien. Il a raison. Si nous voulons nous en sortir, nous devons unir nos forces et retrouver la perle écarlate avant qu'il ne soit trop tard. Stella! Abyss! Allons-y! Pardonnez-nous! Qu'est-ce que c'est là? Désolé de te réveiller, mais on est là pour sauver le monde. Décidément, les vieilles méthodes sont toujours les plus efficaces. Regardez la perle! Et sa coquille! Ainsi que le comité d'accueil! Tiens, 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 tiens! Regardez qui est là! Il est temps d'en finir avec eux une bonne fois pour toutes! Soldats, détruisez-les! Hein? Quoi? Yeah.
laisserai jamais mettre la main sur cette perle. Tu crois vraiment t'en tirer comme ça? Roche! Cette perle est à nous. Et si tu me la rends pas, je t'assure que tu vas le regretter. Par le pouvoir du Sud et les vents infernaux, j'en appelle à la brûlure de la perle. Je t'ordonne de t'enflammer. Je ne me laisserai pas brûler les ailes une deuxième fois. Tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est trop chaud pour toi? Attends, je vais te rafraîchir un peu. Roche de lumière. Vos pouvoirs sont sans effet. Et la perle ne retournera jamais dans sa coquille. Ne crie pas victoire trop vite. Rien ne saurait arrêter le pouvoir de la perle. Toute résistance est inutile. Et il est temps d'en finir maintenant. Surtout, rappelez-vous, le temps sera la clé de tout. Cette entrée, maître. Je l'ignore encore. Le codex de Magor ne le précise pas. Mais tôt ou tard, je trouverai la réponse. Et quand cela arrivera, l'échec ne risquera plus d'être une option. Non, c'est bien ça, il va rester là. Hé, Nick, je te parle! Attendez une minute, je réfléchissais à un truc. Moi, je le crois pas. Si Obscurio a commencé à lancer des assauts vers des régions reculées du Gorm, alors je sais pas exactement ce qu'il a en tête, mais je me dis qu'il pourrait porter ses efforts vers d'autres régions très éloignées. Et qu'au cas où ça se produirait, on ferait mieux de se tenir prêt à réagir.